Salut les amis, c'est Cal. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, moi je continue la vidéo que vous avez vue un petit peu avant. Comme je vous dis, j'ai un peu de mal à m'arrêter sur ce Tomb Raider. Puis j'ai un petit peu de temps là aujourd'hui, donc je vais en profiter. Par contre, je vais retourner un peu en arrière et je vais me prendre la comment? Vu que j'ai sauvegardé, donc voilà, je risque pas grand chose. Ok, j'en ai 42, donc je vais pouvoir y aller. Donc, si je vise comme une tuche, comme une truche, ça va. Ah, vous m'en voudrez pas, hein, mais j'ai envie de... Ah bah putain, il y en avait là aussi. J'ai envie de voir ce que ça fait quand on nique tous les ennemis d'une zone, là. Parce que là, comme vous avez pu voir... Oh, merci. Donc là, c'est encore des... pour le fusil à pompe, mais j'en ai plus besoin. Là, il n'y a plus rien. Si... J'explore la zone en fait. C'est comme ça. Y a pas grand chose à voir là-dedans. Ah, quoi que, attendez. Donc quoi qu'il faut vraiment faire le tour. Moi, c'est ce qui me plaît le plus dans un Tomb Raider. Voilà, regardez. Nous sommes maintenant plus d'une centaine. Nous avons commencé à déblayer le vieux palais et bientôt, nous commencerons à bâtir une ville au pied de la montagne. Les Japonais avaient construit un système de nacelles de transport que nous avons remis en service. Mathias prétend que nous travaillons pour la Reine Solaire, comme ceux qui ont bâti les monuments de l'Égypte ancienne. Mais je connais ses intentions. Mathias gagne du temps. Ce projet monumental ne sert qu'à nous tenir occupés. Malgré les rituels, les tempêtes et la peur d'être exécutés, les hommes finiront par se retourner contre lui. Et quand ils seront prêts à le faire, je serai prêt à prendre sa place. Eh bien, voilà, ce que je vous disais avant de commencer, on a des rebondissements déjà. Ce que j'aime dans Tomb Raider, c'est ça, c'est l'expo. On fait pas mal d'exploration, pour le coup. Alors ça peut vous saouler, peut-être, mais moi, c'est ce que j'aime dans Tomb Raider. C'est faire de l'exploration, voilà. Donc, voilà. Hop, hop, hop. Attends. Je vais aller en bas parce que là j'ai ouvert une zone du coup. Cette zone là je la connaissais déjà, on va dire. Il me semble, ouais. Cette zone là je la connaissais. Ok. Ok. Là. Ok. Bon. J'ai envie de dire ok. Oh! C'est quoi ce truc? Je peux pas. Est-ce que je peux viser le... Voilà. Voilà. Je recharge mon fusil à pompe. Je vais recharger des munitions que j'avais laissées là. Bah alors. Oh non, je suis full, d'accord. J'entends un cochon, mais je sais pas où il est. C'est un cochon, je le tue. Je l'ai dit avant. Je sais pas, je vois pas où il est. Donc là, vous voyez là? Je crois que c'est le truc pendu là, un truc comme ça. À mon avis. Là. J'ai eu l'oiseau. Je voulais un oiseau depuis tout à l'heure. Ah, c'est bon. J'ai un oiseau. Ok.
Bon, ça m'a pas avancé grand chose là, le truc qui a fait gling gling là, mais voilà. J'entends un cochon, mais je suis fou quoi. Ah, il est là! Oh putain, t'es mort. Attends, hop hop, je vais remonter. Je vais enflammer le truc. Il est où? Putain, il est tout au bout. En plus, je le tue, moi, le cochon. Bon, c'est pas grave, on va le laisser en vie, là, le cochon, pour le moment. Ou je sais pas quoi, là. C'est un sanglier, ça, je crois. Voilà. Ouais, je fais de l'explo pour essayer de d'augmenter notre XP et tout ça. Donc... Ouais, comme je vous l'ai toujours dit, hein, c'est comme si que, voilà, moi je mets le jeu à la console et c'est parti. Quoi, hein. Voilà. Je vous ai jamais pris au dépourvu quoi là-dessus. Hein. Je ne peux pas dire le contraire. Hein. Alors ok, je peux rentrer de l'autre côté. Ok, on va faire ça. Je sais que je vais me faire avoir là. Je vais me faire pendre par les pieds. Oula. Oula, là c'est. À mon avis, je peux pas y aller. Ok, je suis obligé d'y aller. Regarde. Là, le truc, il est là. Voilà. C'était sûr. Oh là, oh là, oh là, oh là, je me suis fait truquer. Oh putain. Sérieux, je vois pas comment je peux changer de perso. On recommence? Ouais. On peut échapper au truc, hein. Qu'est-ce qui les pousse à faire ça? Vous avez vu, on peut échapper au truc en sautant par-dessus. Voilà. Donc, comme j'ai pas envie de me refaire chier avec les bonhommes. D'accord. C'est beau, en tout cas, ici. Moi, je trouve ça beau. Ok. C'est quoi l'histoire? Je comprends pas là. Faut sauter, c'est bien ça. Attends. D'accord. C'est quoi ça? Ouais, ça va être un... peut-être un temple. On va voir, mes amis. Je pense que c'est un temple. C'est joli, ça. Ah ouais, ça m'a... Ouh ! C'est quoi, ça ? Ouais, ça m'a tout l'air d'être un temple. Je pense qu'on va y arriver un peu de temps. Ou alors c'est une zone bonus. D'accord, là je peux pas l'avoir. Okay. Oh oh oh. Si c'est pas Thibaut quoi. Oula.
t'allumer un peu là. Donc je pense qu'il faudra revenir quand même pas mal sur... c'est ça, regarde. On est sur un temple, voilà. Donc sur, encore sur une énigme. C'est quoi ce truc là, réel hein? Puis des larmes. Ça me dit que je peux l'envoyer quelque part. Ok, mais ça me servira à quoi moi de l'envoyer quelque part ce truc? Ah, peut-être là. Clairement pas ça. Bon, je suppose que c'était pas ça, le truc. Solarine profane ses ruines anciennes pour en faire un lieu de culte. Je pense pas que c'était ça, mais bon, on y est arrivé quand même. Allez. On dirait qu'elle découvre la vie, quoi. Un beau pied, puis il est là. Un point de compétence. Des statues okay. De la reine solaire. Cet endroit était un lieu sacré. Et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs endroits pour y arriver, non? Attends. Je vais peut-être aller au camp. On va améliorer nos... tout de suite notre truc. Non, il n'y a pas plusieurs endroits, il n'y a qu'un endroit. Allez, hop, au camp. C'est bizarre que j'ai pas les voyages automatiques. Je sais pas, on va se prendre du castagneur. Alors... c'est quoi ça? Expert en piolet. Utilisez votre piolet, cranté, pour porter un coup surpuissant capable d'étourdir vos adversaires. À part avoir esquivé une attaque, plantez une flèche dans le genou de votre ennemi pour rendre plus mal. Oh, ça me plaît bien ça. Et ça, ça me plaît aussi. Je vais plutôt prendre ça. Appuyez sur. Ok. Allez, on est reparti les copains. Allez, zou. Là par contre, j'ai un truc
que je monte, je sais. Ah, c'est ça. Ah, faut se souvenir, les copains, hein, de ce qu'on fait dans le jeu. Putain, si tu te souviens pas, t'es mort. Et... ah, d'accord. Bon, c'est une énigme assez simple. Bon, dans le même temps, je vois pas trop comment on aurait pu faire autrement. Il me semble que c'est vraiment ce que je devais faire. Attends, on va regarder quand même ce qu'il me dit. Ok, bidonville. Donc, ok, donc là, j'ai toutes les... oh, c'est un peu cheat. C'est un peu dommage, quoi, voilà. Ah, c'est pareil, là, j'ai trouvé tous les trucs, donc... après, voilà, vous voyez, j'ai des reliques de documents. J'ai plus qu'à me déplacer dans les zones, vu que je fais beaucoup d'explos, vous voyez, comme je vous disais. J'ai plus qu'à me déplacer dans la zone et aller rechercher exactement où c'est, et je vais trouver tous les trucs. Bon. Je regrette un peu ce... voilà, cette prise de décision. Que voulez-vous ? Allez, sans pour l'enfer, infiltrer le palais. Ouais, bah, c'est de l'autre côté, je sais qu'il faut. Est-ce que je vais récupérer encore des... hop, des munitions. Je suis full. Je voulais savoir si... non, là, c'est pas revenu. Ouais, ça revient pas automatique à chaque fois, hein. Ça revient de temps en temps. Vous voyez que j'ai bien fait d'aller voir quand même au truc. On a découvert une chose déjà. Bon, et hop, par contre, on va y aller mollo. Ah, mais attends, moi je vais bien, mais. Je peux pas. Est-ce que là on va pouvoir faire un petit peu de... d'y aller un petit peu en secrète, quoi? Parce que putain, sérieux. C'est quoi ça? Donc là, allez, on se reprend un truc. 24 octobre 1994. Ma patience est enfin récompensée. Ma troupe de fidèles lieutenants, les exterminateurs, est enfin constituée. Les tempêtes m'ont apporté exactement les hommes qu'il me fallait pour bâtir la confrérie des Solari. Des hommes forts, mais dociles. Ils ont été brisés par les tempêtes, ils sont affaiblis et vulnérables. Et je leur ai tendu la main. À présent, ils me servent et à travers moi, ils servent la Reine Solaire. Elle me montre la voie. Elle m'a toujours montré la voie. Je ne peux pas nier ce que j'ai vu. Et bientôt, ils verront. Elle est partout sur cette île. Mais la confrérie des Solari doit s'agrandir. Nous recruterons autant d'hommes que possible. J'instaurerai des lois. Et ils travailleront pour la Reine Solaire pendant que je chercherai la clé. Ah, il y a une question de clé. Par contre, il y a une grosse faute d'orthographe, il me semble. Hein. Les tempêtes m'ont apporté. C'est pas EES, là? Je sais pas, mais... moi, j'aurais mis EES, non? M'ont apporté. C'est qui m'ont apporté? C'est bien les tempêtes. Ouais, c'est ça. Bref. J'ai envie de dire pourquoi pas. Hop. Par contre...
passe pas mal ça. L'effet de glisse là. Hop. 24, j'aurais peut-être pu améliorer des armes. Dommage, je pense pas que je puisse. Comment ils peuvent vivre comme ça? C'est joli, moi. Là, il y a un truc à faire avec lui, mais quoi? Je vois pas trop ce que je peux faire avec lui. Ah d'accord, on remonte. Ah bah, je vais remonter au camp direct et on va augmenter nos armes. Par contre, je viens de me rendre compte que je suis à la bourre grave, donc je vais arrêter la vidéo là. Je vais faire l'équipement, je le reprendrai tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? L'arc peut-être, à votre avis? Non, on a pratiquement tout. On a tout amélioré, terminé, ok. Le fusil à pompe, non, par contre ça je vais l'améliorer. Le chargeur de manchon de machin... Donc ça, je vais le prendre déjà. Ça, c'est clair et net. Voilà. Et je vais prendre ça. Voilà. Ce qui est pas mal, c'est que les armes, elles changent en fonction, vous voyez, le... Les armes changent en fonction de... Bah des équipements qu'on met quoi dessus quoi. Là c'est devenu un AK-47 quoi, je pense hein. Ah non, il manque frein de bouche, parce que c'est dissiper efficacement pour réduire le recul, ok. Je vais te dire ok si tu veux. Là je peux tirer, là un truc en rafale, ok, là il m'en manque un aussi. Sinon je serais mort. Ouais, il me reste plus grand chose. Voilà. Écoutez les copains, je vais attendre que ça finisse de sauvegarder. Je vais vous laisser là. Vous verrez pas bien sûr la différence. Hein. Je vais vous reprendre de suite. Mais ouais, je suis un petit peu en retard là. Donc je vous laisse et je vous dis donc à tout à l'heure. Enfin moi, ce sera tout à l'heure. Et vous tout de suite. Allez, bye bye les copains.